C'est parti, on vient de quitter Briançon et on attaque le col de l'Izoard par les petits sentiers. Bon bah là on a passé le hameau du Los et on se dirige vers le col de l'Izoard. Et je pense qu'il y aura une bonne grimpette à 2-3 km sur cette piste juste après. Ce sera sur un PR. Voilà, donc l'Izoard ça sera à peu près dans 1h30. Après la partie roulante là sur les pistes, on attaque la partie où on va pousser quoi. Donc là je crois que c'est à peu près comme ça jusqu'à l'Izoard. C'est parti. Donc c'est bien l'éclate. Voilà l'Izoard, 22 bornes, 1752 D+, et 3h30 à peu près. Voilà, on arrive. Voilà, arrivé, Izoard. Okay. On se pèle. Hop là. Yeah. 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 En face, c'est le col du Tronché. Le col du Tronché, 2347 mètres. Voilà, Briançon, l'Izoard. On est remonté jusqu'ici par un sentier. Et on va redescendre maintenant ici pour rejoindre un lac et peut-être y passer la nuit. À voir. Yeah.
Et ben c'est reparti. Le début, il est 9h. Ben, fallait bien 1h30 pour se préparer et quitter le lac et faire la suite vers le col de Furfand. Ce qui est génial, c'est que j'ai oublié mon casque. Bon, ben, le col de Furfand, il est quelque part par là-haut. On est à 1660 mètres. Et le col, il est à 2004 et à 5,6 km, annoncé 3 heures en marchant. Donc on va mettre un peu moins de temps en vélo. On va voir ça. Allez, on doit plus être très loin, c'est un peu moins d'une heure, et on rejoint un petit peu le sentier des randonneurs, mais ça grimpe. Voilà le col là-bas, vers la croix. Donc il y a encore un petit peu de poussage de vélo, mais on y arrive. Bon, maintenant, petit casse-croûte, hein, bien mérité. Allez, zou. Alors là, les singles, c'est du pur bonheur, pas trop technique, à part quelques passages comme ça, on s'arrête, on pousse et on prend pas de risque, parce que tout seul, bon là il y a du monde, c'est passant, mais voilà, quand on a un niveau très moyen comme moi, il vaut mieux s'arrêter et puis on reprend quand on peut. Ah, faut trouver le sentier, ouais, au pied. Alors là, le risque, c'est que les pédales, elles touchent le bord. Donc il est tranquille. En arrière. Ah, c'est pas le paradis là ?
Bon, les derniers mètres avant le col du Garnier, là, sont assez éprouvants. Mais voilà, faut monter lentement, mais sûrement. Et c'est toujours un peu la magie qu'on passe sur l'autre versant. Toujours la récompense. Voilà la suite. Quelle heure il est? Voilà, on est à 2280 mètres. On a fait 18,5 km. On a un dénivelé de 2000 mètres. Bon, je pense que la monte s'est affolée, hein. C'est quand même un peu moins. Genre 300-400 mètres de moins. Et voilà. Ah, ça frotte. Voilà, petit passage exposé, il vaut mieux mettre le pied à terre. Bon voilà, une bonne descente sur plus d'une demi-heure, au moins 6 ou 700 dénivelés en moins. Et on arrive au Guil, qu'il faut traverser en face. Et on va remonter un peu et puis se diriger vers Guillestre. Voilà, aujourd'hui je pourrais dire que j'aurais poussé un moment. Bah, d'une part en montée. Et un petit peu en descente dans des épingles, des passages un peu raides ou un peu exposés. Donc ouais. Ça me saoule. Bon bah là on se dirige vers Mikéou. Ah, normalement je pensais que c'était une petite route qui est montrée. Mais non, c'est une vieille piste défoncée. Et là il y a 500 de D+ quoi, pour atteindre le hameau. Quoi. Donc joie du poussage. Bon bah là je crois que ça empire. Hein. Alors ça, ça fait plaisir. La petite pelle qui a bien aplani, ça devrait aller mieux quoi. Parce qu'avant c'était ça.
Par rapport à la trace GPS, en fait, l'itinéraire nous fait descendre jusqu'à Embrun, en bas, et après il nous fait passer par la digue. Et pour rejoindre après le tracé qu'on voit en GPS, on le télécharge, il faut tout remonter. Du coup, ça fait encore un peu de déplus supplémentaire. Voilà, ça rallonge un peu l'étape, mais je pense que c'est quand même plus judicieux de passer par Embrun. Au moins, on peut faire un petit casse-dalle. Voilà. On approche de Réalon. Ben, je me suis bien pris la flotte. Voilà, mais en tout cas, le beau temps est revenu. Et on va conclure cette journée. Bon, il est 18h30. On s'est arrivé vers 19h. Parce qu'il aura fait une belle journée. 7h09 pour l'instant. C'est le bout du monde là. Et demain, normalement, on fait le tour et on va à l'autre versant. Le paysage, c'est juste incroyable. Eh ben merde. Mais bon, ça devrait aller. Hop là. Yalla. Descente qui fait le tour du col de Mans. Et gap au fond là-bas. Et un petit sentier. Je crois que c'est vraiment tout droit. On fait que passer les amis. Tranquille. Bon bah dernière journée hein, sur cette GTHA. Bon du coup je descends à Gap aujourd'hui et par la variante sud après avoir monté le col qui est là. Ah, c'est magnifique. Les environs de Gap, quand il fait ce temps-là. Magnifique.